Micro. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nouveau live Swiss Lens. On va essayer de faire ça une fois par semaine, tous les lundis. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Guillaume, à nouveau. Et nous allons aborder un thème un peu sur le service. Comment gérer les retours de lentilles chez Swiss Lens. C'est une particularité de notre laboratoire et Guillaume va pouvoir un peu nous expliquer la façon dont on fonctionne. Bonjour à tous. Donc effectivement, notre particularité au laboratoire Swiss Lens, c'est que le retour doit être fait par vous sur le site internet. Donc pour cela, c'est assez simple. D'abord, il faut vous connecter sous votre espace client et il vous faudra également numéro de série de la lentille que vous souhaitez créditer. Donc là, vous voyez, il suffit juste de les rentrer. Et attention, il faut absolument noter du retour. Ça peut être une garantie, ça peut être une modification, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est important de le noter. C'est pour le suivi au niveau de la MDR. Pour la nouvelle norme, c'est obligatoire qu'il y ait un suivi de pourquoi on a retourné les lentilles. Ensuite, il y a une série de questionnaires qui nous permettent, nous, d'enregistrer le retour des lentilles et de justifier de ce retour-là. Une fois que vous avez saisi toutes les informations, il vous restera juste à cliquer sur « Suivant » et automatiquement, la lentille qui ne va pas sera créditée. C'est le système de chez Swiss Lens, c'est que nous, on ne fait pas de lentilles gratuites, on vous crédite celles qui ne sont pas bonnes. Donc ça, c'était simplement un petit rappel pour certains, mais aussi pour les nouveaux clients, quelque chose qui est important à savoir. On n'a pas besoin de retourner physiquement les lentilles, vous faites simplement le retour sur le site, et ensuite, nous, on vous crédite sur la facture suivante, les lentilles. Oui, le formulaire aujourd'hui est assez long à remplir, mais c'est vrai que les normes se sont un peu compliquées. Donc en fait, c'est une étude statistique qu'on fait de toutes les réponses, c'est ça ? Exactement. C'est un peu plus long par rapport à avant. On vous demande un peu plus de précision. Alors sachez que ce n'est pas nous qui le demandons spécifiquement. C'est vraiment au niveau de la norme européenne. La norme demande à ce qu'on ait un suivi de chaque retour de lentille, les raisons, pour si jamais qu'on puisse sortir des statistiques, des taux de retour, pour qu'on puisse justifier tout ce qui se passe. En fait, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est pas pour nous. Nous, on stocke ces données et c'est sur la demande de l'organisme de certification qu'on doit pouvoir les produire. D'accord. Je pense en ce moment à la période du coronavirus qui nous impacte certainement tous. le délai de garantie des lentilles qui ont été envoyées jusqu'à maintenant est bien sûr prolongé. Il est possible que le système informatique bloque un peu, je pense. Tu me confirmes que ça... Ouais. Effectivement, c'est... Ouais,
hein, le délai des retours, le délai de possibilité de retour est prolongé. C'est possible que le système bloque parce que c'est un système informatique qui permet pas de, enfin qui est très très précis. Là, le plus simple, c'est simplement de nous envoyer par email le numéro de la lentille que vous n'arrivez pas à retourner, et puis nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Simplement, ne validez pas votre retour si vous voyez qu'il n'est pas comme vous le souhaitiez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le validez pas. Simplement, envoyez-nous à lens.info ou lens.order le numéro de la lentille en nous expliquant que vous avez essayé et que ça ne marche pas. En général, le système indique pourquoi. Donc, si vous avez dépassé les délais, c'est des choses qui arrivent, surtout là, effectivement, avec les mois de confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, vous inquiétez pas, nous, on les fera passer, vous serez crédité comme si vous les aviez retournés dans les délais. Oui, donc soit directement lens.info ou directement à mon adresse, pour ceux qui l'ont, ou par téléphone. On s'en occupera avec plaisir. Donc vraiment pour préciser à nouveau, les lentilles ne sont pas à nous retourner physiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de nous les renvoyer par la poste pour qu'elles soient créditées. Vous pouvez suivre où en est le crédit sur l'espace professionnel et vous assurer que l'avoir a été fait, il y a la date à laquelle elle a été créditée la lentille. Oui, alors soyez juste au niveau du délai de traitement de l'information, soyez pas surpris que si ça apparaît pas dans les 2-3 jours. Au moins, il faut laisser jusqu'à la fin du mois à peu près pour qu'on traite tous les retours et que ça s'affiche sur le site internet. Donc voilà, prenez votre temps. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à envoyer un mail. Mais en général, voilà, ça apparaît sur le mois suivant, au pire sur le mois suivant, mais souvent sur le mois en cours que le retour des lentilles a été enregistré. Et une fois qu'elles sont enregistrées, et que vous avez vous fait la manipulation, vous pouvez vous débarrasser des lentilles. Nous, on ne fera rien. On les jettera à votre place. Donc surtout, ne les retournez pas. C'est plus de traitement pour vous et pour nous. Surtout qu'elles sont retournées chez moi pour les clients français. C'est possible que ma boîte aux lettres soit bien remplie quand je rentre. C'est pas utile. Moi, j'en ferai rien non plus. Ça peut être aussi intéressant pour vous de les conserver si ce sont des lentilles rigides. Ça peut servir de lentilles de boîte d'essai finalement. Oui, effectivement, ça peut servir. C'est à vous de voir. On n'a pas de consignes à vous donner vis-à-vis de ça. Ouais. On va à présent aborder le thème du rendez-vous où on délivre les lentilles pour l'orthokératologie. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait abordé le rendez-vous de la commande, celle où on prend toutes les mesures. Votre porteur a accepté de commencer l'orthokératologie, vous avez commandé les lentilles au laboratoire, et aujourd'hui, vous les avez reçues, vous le voyez pour les essayer, et on va voir un peu les examens à faire. Alors... Toi, Guillaume, tu as eu une expérience en tant que porteur. Comment tu as vécu la première pose des lentilles Ortoca? La première pose, moi, je suis un porteur un peu compliqué. J'ai toujours les yeux qui me grattent avec quelles que soient les lentilles presque. Simplement, avec les lentilles d'Ortoca, je trouve que par rapport pour une lentille rigide, c'est relativement confortable. La goutte à l'intérieur de la lentille est indispensable. Sans ça, on sait que pour nous, côté professionnel, l'effet n'est pas bon. Mais ça, tu vas en reparler. Mais pour le porteur aussi, c'est beaucoup plus confortable. Le diamètre est très grand par rapport à la cornée, on la sent assez peu, la vision est bonne, ça c'est très agréable. Donc en fait, moi je trouve que pour une livraison de lentilles rigides, je trouve ça assez confortable finalement. Et puis après il y a un peu de manipulation qui est un peu spécifique, mais finalement pas tant que ça. Il y a juste la goutte à mettre finalement pour moi. Ouais. Le reste, ça s'apprend. Mais ouais, en tant que porteur, moi j'ai trouvé ça super pour une lentille rigide. C'est hyper confortable, moi je trouve. Alors. Je pense qu'il faut aussi dédramatiser la pose de la lentille, c'est-à-dire que quand on la pose sur notre porteur, c'est souvent des enfants, et j'essaye de rendre ça aussi marrant que possible, et je leur dis, mais dis donc, t'es un grand et tout, tu pleures même pas,
Voilà, c'est histoire de casser un peu la sensation de la lentille sur l'œil, qui s'en occupe pas trop. Et puis, une fois que j'ai posé moi-même la lentille, je leur demande de laisser les yeux fermés, regarder un peu vers le bas pendant quelques minutes. Et puis, je les envoie en salle d'attente. Je fais pas l'examen de suite. Ça me permet deux choses. Ça me permet de réduire l'afflux de larmes pendant l'examen. Et ça va me permettre aussi de contrôler l'effet, même après une demi-heure, sur la cornée. On peut déjà observer un effet en topographie. Oui, ça c'est assez extraordinaire, moi je trouve. C'est à chaque fois, c'est chaque fois qu'on pose et qu'on laisse, on fait ce petit protocole d'attendre 30 minutes, les yeux fermés. On le voit sur la topographie. Moi, je trouve que c'est vraiment assez intéressant, et même pour le patient, c'est très intéressant parce qu'il commence déjà à voir un peu mieux. Alors, on n'attend pas le 100%, loin de là, mais déjà, c'est vraiment hyper agréable. Moi, je trouve que quand on ferme juste 30 minutes les yeux, on ouvre déjà, on sent qu'il y a une différence. C'est pas la même chose. On commence à voir un peu mieux. Voilà, je trouve ça vraiment confortable, moi. Ouais, et puis psychologiquement, ça met en confiance la personne. Aussi, Il ouais, c'est comprend sûr. le mécanisme de la lentille et du coup, il part, il sait que chez lui, ça va bien se passer. C'est clair que. Une fois qu'on a fait notre petite attente d'une demi-heure, il va y avoir le moment de contrôler la lentille et s'assurer que la géométrie est bonne. On n'a pas beaucoup de moyens de le contrôler. Alors le mieux, ça reste de faire une image fluo. On met ça fluo, on attend quelques minutes de clignement et puis on va attendre que tout soit stabilisé. Et là, il va falloir déterminer les zones. Donc chez nous, on a en gros trois zones principales et le bord. Donc du centre vers la périphérie, on va avoir le rayon de traitement, la zone de traitement qui est assez large. En fait, elle ne s'arrête pas à la zone sombre qui est au centre. Le rayon étant très plat, au début il n'y a pas de fluo, et puis plus on s'écarte du centre, plus on a de la fluo. Donc ça, c'est notre rayon de traitement. On est censé avoir une zone sombre au centre de 3-4 mm. Après notre rayon de traitement, on a le rayon de reverse. Donc le rayon de reverse, il est très très étroit, en fait il fait moins d'un millimètre hein, de large. Et ça, c'est un rayon qui permet de retourner en contact avec la cornée, s'en rapprocher le plus possible. Et enfin, le rayon d'alignement, qui est un rayon qui est très intéressant, c'est celui-ci qui sera le plus intéressant à observer au premier rendez-vous, à la pose, parce qu'il doit être le plus aligné possible. On doit avoir une zone tout à fait régulière à 360 degrés. Et enfin, le bord pour l'échange des larmes. Au niveau du conseil technique, on va vous demander de parler un peu de ces zones-là de manière très indépendante. Je ne sais pas comment tu abordes le conseil technique quand tu reçois les mails, mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce que les gens nous envoient. Quand ils parlent d'une lentille trop plate ou trop serrée, on ne sait pas de quelle zone ils vont nous parler. C'est toujours un peu effectivement, c'est toujours un petit peu le problème. Enfin, le problème, c'est toujours un peu l'interrogation pour nous. C'est quand on nous dit la lentille, oui, est trop plate. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est souvent pour moi, souvent je pose la question, c'est trop plate en adaptation ou en service, enfin, comment s'appelle, en effet. Le problème, c'est que l'effet. À ce moment-là, on peut pas le gérer. Enfin, on peut pas le savoir. C'est un peu trop tôt. Donc, en fait, c'est pour ça c'est très important de nous indiquer quand est-ce que l'observation a été faite, au bout de combien de temps, si c'est à la pause, enfin à la pause après 30 minutes. C'est là que le centre m'intéresse moyennement, on va dire. Je sais pas, Pierre, toi aussi, mais je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'adaptation de la zone, la landing zone, qui est trop serrée, trop plate. Ça, par contre, ça devient intéressant. Même si après, moi, je pondère un tout petit peu en disant que il faut pas se précipiter à tout changer maintenant. C'est une indication de voir ce qui se passe, mais après, il y a quand même un petit peu les larmes qui rentrent en jeu. La fluo qu'on a mis, même si après 30 minutes, il y a quand même beaucoup moins, mais.
Moi, je suis toujours un peu méfiant sur, enfin, un petit peu, pas méfiant, mais prudent sur ce genre d'analyse. C'est très important de l'avoir, ça nous indique vraiment savoir ce qui se passe, voir que, voilà, ça sera à confirmer au deuxième rendez-vous, en fait. Oui, tout à fait. On le voit bien hein, quand on fait des adaptations lentilles rigides, c'est rarement au premier rendez-vous qu'on va définir si la lentille est la bonne ou pas. Donc en orthocas, c'est la même chose, c'est même encore plus difficile de le prévoir, puisque le port va être nocturne, là la personne elle est derrière la lampe à fente, elle est en position verticale, donc l'observation elle est un peu biaisée par la gravité. Quelques petites astuces, enfin, choses à penser quand on fait notre examen derrière lampe à fente. Bien penser à utiliser le filtre jaune, ça c'est ultra important, il ne faut pas l'oublier parce que sans filtre jaune, on observe très mal savoir si c'est la fluo sur la lentille ou sous la lentille. Et puis, deuxième chose, j'ai perdu le fil, mais non, en fait, on simplifie énormément son examen lampe à fente. C'est-à-dire que on va pas faire les versions, on va pas faire tout ce qui est recentrage, mouvement, tout ça, on le fait pas. Donc, du coup, l'examen lampe à fente est plutôt rapide en orthocas. On parlait du centre. Alors moi, j'ai une astuce vraiment. Qui fonctionne chez nous, enfin avec la lentille Nagiflex, puisque la puissance de la lentille compense le dioptre de l'arme. Toujours. Chez nous, le calcul est fait de la manière suivante. On est censé avoir plan par-dessus la lentille. Donc, dès le premier rendez-vous, on peut faire une suréfraction, une acuité visuelle, on doit avoir 10 dixièmes et plan. 10 dixièmes nuancés, hein, plus ou moins une ligne, selon l'état des larmes, le larmoiement des gens. Mais c'est vraiment ce que l'on doit obtenir. Une chose que l'on peut faire, c'est l'autoref. Par-dessus la lentille, l'autoref fonctionne. Sans les lentilles, ça ne fonctionne pas, mais par-dessus, on peut vraiment le prévoir dans notre process, dans notre protocole, et ça nous fait une mesure objective. Comme ça, on sait que à telle date, on avait plan moins 0,25 par exemple, hein, un petit cylindre par-dessus la lentille. On est censé garder cette suréfraction au cours du temps. Et puis, une fois qu'on a retiré la lentille, on peut faire une topographie. Après une demi-heure, il n'est pas extraordinaire d'avoir des choses surprenantes. Observer le centrage, observer un réel gain en termes de myopie. Donc là, sur une carte différentielle, on a un gain au centre de quasiment 2 dioptries. Et là, la personne, déjà, on lui refait lire une ligne d'acuité et elle a gagné quelques lignes de lettres. Et psychologiquement, elle est vraiment très motivé au port de lentilles. Ça, je pense que toi, donc tu en parlais, tu l'as vécu, tu. Oui, pour moi, c'est vraiment l'effet. C'est ce qui fait. Enfin, cet effet-là, c'est, à mon avis, 60% du porteur qui est convaincu. Parce que vraiment, même si au début, il peut se trouver un peu compliqué, la manipulation, l'entretien, des fois, il y en a certains à qui ça fait peur. Mais rien que d'avoir fait ça en 30 minutes, dans le cabinet, assis dans un environnement où il est rassuré avec un professionnel, d'avoir cet effet de correction qui n'est pas parfait, on l'a prévenu en disant voilà, ça va pas être parfait, mais au moins vous allez voir qu'est-ce que ça donne. À mon avis, c'est important de le faire, ça gagne du temps et puis ça augmente vraiment la motivation, ça explique le principe, il y a tout en fait dedans, juste dans cet essai-là. Moi, je trouve que c'est vraiment à chaque fois, dès que ceux qui ne le font pas ou je conseille de le faire, sur les enfants, ça marche super bien. Ils sont très contents, les parents aussi, parce qu'en fait, des fois, ils ne comprennent pas trop. Là, c'est l'enfant explique, mais si je vois bien, puis ils voient qu'ils n'ont plus la lentille. Donc, c'est vraiment hyper important de prendre ce temps de 30 minutes. Vous pouvez faire autre chose en attendant, mais reprendre ce temps avec le patient.
À mon avis, c'est top. Et puis cette carte, enfin cette topo, après 30 minutes, déjà, on voit, il y a quand même déjà des effets qui sont intéressants. On arrive à les analyser. Alors c'est pas, voilà, on peut pas faire tant de conclusions dessus, mais c'est hyper. Même nous, ça nous rassure. Hein, déjà, on se dit bon, bah, déjà, si on est sur une bonne base de départ. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que ça permet de partir confiant avec son patient. On peut le laisser partir chez lui, on sait que la lentille va fonctionner. Il y a une chose que j'aime bien faire, c'est quand même montrer et expliquer un peu l'image topographique au porteur. Même un enfant, hein, ils comprennent bien ce que l'on fait sur l'œil. Et puis la carte 3D, moi j'aime beaucoup la carte 3D parce que il y a des petits onglets pour la rendre la plus impressionnante possible, j'ai envie de dire. Ils exagèrent l'effet et on peut comparer l'œil avant et maintenant et on voit vraiment un aplatissement impressionnant sur une demi-heure. Ouais, moi je pense que c'est effectivement d'utiliser la carte 3D. Alors on est tous les professionnels, on n'est pas trop pour parce que c'est compliqué à analyser en technique. Par contre, pour de la communication, c'est génial. Ah, c'est juste C'est-à-dire, joli, hein, on est d'accord. ouais, c'est vraiment ça. Et puis là, on a besoin de communiquer avec nos patients. On fait des choses qui sont un peu compliquées, un peu obscures de temps en temps. Ils comprennent pas trop. C'est en plus l'orthocas, des fois, c'est un peu une presse qui est un peu compliquée à combattre. Là, enfin, là, en communication, vous n'avez pas mieux, quoi. C'est de l'instantané, c'est sur lui, enfin, c'est du personnalisé, même si c'est un peu exagéré, on le sait, ça, c'est pour nous. Eux, voilà, ils voient l'effet, puis moi, je trouve qu'en communication, la carte 3D, c'est génial, quoi. Ça fait des super images. Exactement. Et j'en ai même quelques-uns qui me demandent, est-ce que vous pouvez m'envoyer la carte 3D? Je vais montrer ça. Enfin, c'est un outil très pédagogique. Oui, exactement, c'est très pédagogique, ouais. En termes d'entretien, moi je fais partir les personnes avec un petit kit de produits. Donc dans ma routine, je commence avec un hyaluronate de sodium. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Ils remplissent la lentille avec. Et ils la posent. Ils peuvent même mettre une petite goutte avant le retrait des lentilles. Ça permet de retrouver de la mouillabilité le lendemain matin et la retirer sans problème. Et puis, je passe beaucoup de temps à apprendre la manipulation. Elle n'est pas compliquée, mais je préfère être certain que tous les gestes ont été compris et qu'ils seront bien exécutés à la maison. Donc moi, j'ai toujours tout un tas de miroirs que même je prête pour poser les lentilles de manière verticale, regard vers le bas. Et puis en termes d'entretien, je préconise l'oxydant qui est le one step. C'est facile, il y a un produit, ça permet de nettoyer les lentilles de manière assez efficace. Et c'est sans conservateur, c'est très liquide quand on sort les lentilles du produit, donc il y a rien qui vient interférer dans la pose. Moi, je pense qu'aussi la manipulation, c'est hyper important de bien l'apprendre, bien qu'il ait les comprises. Et puis, ça les sécurise, en fait. Enfin, toi, tu as eu aussi les gens qui appellent en panique le soir, qui envoient des messages en panique parce qu'ils n'arrivent pas à la retirer ou ils n'arrivent pas à la mettre, et ça les stresse énormément. Si vraiment ils partent confiants du cabinet ou de la consultation en disant, voilà, je sais la mettre, je sais l'enlever, 3-4 fois d'affilée sans aucun problème. Ben voilà, déjà, quand vous les revoyez, vous avez déjà mis de côté cette partie-là. Même, voilà, n'hésitez pas à utiliser des outils, enfin vraiment des choses en plus. Ça peut se poser sur un support de pose. Ceux qui ont des grands supports de pose scléral, ça marche aussi assez bien quand ils ont du mal à le faire tenir sur le doigt. Sur les enfants, ça marche super bien. Si les parents doivent aider un peu, ça c'est top. Voilà, c'est des toutes petites choses qui vraiment les patients après s'en souviennent et puis se souviennent de vous parce que vous avez, enfin voilà, c'est votre l'adaptateur, vous êtes vraiment là, la plus-value de l'adaptateur est là, c'est aussi dans sa manipulation et puis après vous êtes tranquille, si vous savez qu'il sait bien mettre à enlever, ben voilà, après il peut pas lui arriver grand-chose. Ouais, moi dans les premiers temps, en général, j'essaye de simplifier au maximum la manipulation. Donc je fournis tout, je fournis le miroir, je fournis un support de pose si nécessaire, si ça les rassure, et une ventouse pour le retrait.
je trouve que la ventouse pour le retrait, ça enlève énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se blesser pour retirer la lentille. Je les préviens qu'il faut attendre que la lentille bouge à nouveau. Hop, ils ventousent, ils retirent la lentille, ça s'est fait sans aucune marque sur la cornée. Alors que quand on apprend la manipulation au doigt, c'est souvent plus traumatisant, je trouve. Et je préfère l'apprendre, mais plus tard, à la fin de l'adaptation, quand tout a été confirmé, c'est la bonne lentille, on part pour un an. Là, j'apprends la manipulation avec les doigts. Ouais, je pense aussi, ouais, ça c'est pour moi le début, ventouse, c'est ce qui est de plus sécurisant pour tout le monde. Et puis effectivement, à la fin, les petits les autres options de manipulation pour qu'ils se débrouillent, c'est une bonne chose. Après, voilà, moi je suis comme toi, c'est-à-dire que vraiment je leur apprends tout avant et puis avec la ventouse. Et puis s'il y a besoin, à la fin, je leur explique d'autres petites, ce genre de manipulation un petit peu plus. Qui sont un peu différentes et un peu plus techniques finalement pour eux. C'est très pratique de savoir manipuler uniquement avec les doigts, parce que le jour où on n'a pas de ventouse, c'est bien de savoir le faire, mais je dirais qu'il faut répartir la charge mentale. Ne pas tout leur apprendre au premier rendez-vous, parce que ça va être très intense, ils ne vont pas pouvoir tout retenir. Donc je répartis. Sur chaque rendez-vous, je remets un petit coup sur ce qu'on a pu apprendre précédemment et je rajoute un élément. Bon, on a à peu près tout vu sur le rendez-vous de la délivrance des lentilles. Je ne sais pas si on a des personnes qui ont un peu commenté ou pas, je n'ai pas l'impression, mais la vidéo sera disponible en replay. Si vous avez des questions ou des remarques à nous suggérer, bien sûr, commentez la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'on a un petit jeu concours en ce moment sur les œufs de Pâques, avec un joli lapin au chocolat à gagner. Donc c'est sur notre page Facebook ou sur Instagram, vous pouvez vous y rendre et puis jouer en devinant le nombre d'œufs en chocolat pour tenter votre chance. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine, si tout va bien, pour la suite des rendez-vous en OrthoCas. On vous souhaite une bonne fin de soirée, normalement chargée, puisqu'il y a un joli programme au niveau des sclérales qui nous attend. Exactement. On a Langis Michaud qui nous a gentiment accepté de faire l'historique des sclérales depuis 10 ans. On est très content de pouvoir l'accueillir sur le groupe scléral. Donc, pour ceux qui s'y retrouvent, à tout à l'heure. Et bien voilà. Très bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne soirée à tout le monde.